Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de deux nouveaux Mystery Mini Harry Potter de la collection Violette, donc la collection où on retrouve les personnages avec leurs animaux de compagnie, même si on ne peut pas dire vraiment que Dobby est un animal de compagnie. Voilà, donc on va voir qui se cache dedans. Donc si vous nous suivez sur la chaîne, vous avez déjà vu que on a ouvert deux boîtes et que c'était deux fois Hermione. Donc on va espérer que ce ne soit pas comme avec la collection Mystery Mini Disney Princesse et que Hermione ne va pas faire comme Elsa et va venir polluer la collection. J'aimerais bien la finir avant qu'elle disparaisse. Allez, c'est parti. Je suis pressée de savoir qui s'y cache. Bon, bon, bon. Je ne suis pas très douée pour deviner comme ça au toucher qui peut se cacher dedans. Alors, oui, super, un nouveau personnage et c'est Drago Malfoy. Allez, on ouvre la deuxième. Donc, comme la dernière fois, je les ai trouvés chez Claire's. Voilà, c'est le seul endroit pour l'instant où je les ai vus. N'hésitez pas à me dire hein, si vous en voyez, je suis preneuse parce que ben, voilà, j'ai pris les deux dernières. J'ai demandé à la vendeuse, ils ne savent pas s'ils vont être réapprovisionnés. Donc j'aimerais bien pouvoir... Et c'est vrai que sur internet, je ne les ai pas trouvés. Donc c'est d'office un nouveau personnage car regardez, il est tout petit. Donc c'est un animal de compagnie. Il est orange. Il y a du orange dedans. Allez, on ouvre ça. Et donc, super, c'est le chat d'Hermione Patonron. Donc du coup, ça me permet voilà, de compléter la collection qui concerne Hermione, car voilà, j'ai Hermione et maintenant, on a Patonron. Donc voilà, Hermione est venue rejoindre les deux nouveaux personnages. Elle est contente de retrouver Patonron et moi, je suis contente car c'est deux nouveaux personnages dans la collection. Donc la collection, ça y est lancée et partie. N'hésitez pas, je vous mets la boîte, voilà, comme ça vous pouvez voir les personnages. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est le personnage que vous préférez dans cette collection-là. Moi, je vous avoue que j'ai un gros faible pour les animaux de compagnie et particulièrement pour Edwige et Nagini que je trouve super jolies. J'espère mener la collection à son terme, donc trouver des nouvelles boîtes et ne pas avoir trop de doux pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper notre prochaine vidéo Mystery Mini Harry Potter et pour l'évolution de notre collection. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !